Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. On découvre en avant-première la nouvelle Peugeot 508 SW. Là, on est en janvier 2018, un an avant la commercialisation du véhicule qui aura lieu en janvier 2019. Donc, on a beaucoup de chance. Le museau de cette nouvelle Peugeot intègre le nouveau code de la marque, calandre élargi, signature lumineuse verticale, crochets qui vont jusqu'en bas, le capot est plat. Il y a ce qu'on appelle ici un soft nose qui permet de mettre la calandre en retrait. Ça étale le capot, ça l'étire et ça donne plus de prestance au véhicule. Cette seconde génération a un parti pris esthétique très affirmé. Elle joue le rôle du break de chasse, pavillon incliné, haillon dans la mouvance. Des flancs très travaillés, l'auto elle est large, basse, trapue, elle est imposante, athlétique. En même temps, elle veut un côté valorisant, donc on va regarder tous les détails de carrosserie parce qu'en fait elle veut l'ornier du côté des premiums allemands. Comme pourrait le dire Stephen Bern dans Secret d'Histoire, je ne résiste pas au plaisir de vous ouvrir cet écrin. On remarque au passage que les portières n'ont pas d'encadrement, c'est très rare sur un break, encore plus rare sur un véhicule généraliste. Ça contribue une fois de plus à la montée en gamme de la Peugeot 508 SW. À bord de cette Peugeot 508 SW, on a le concept du e-cockpit avec le petit volant, l'instrumentation déportée et la grande dalle numérique. C'est des choses qu'on a vues sur la 208, la 308, le 3008. Là, c'est encore plus sophistiqué. On retrouve une instrumentation numérique, une grande dalle. Peugeot a mis l'accent sur la qualité de finition pour toujours aller chercher le premium allemand avec des applications de bois, des surpiqûres, du chrome. L'essentiel, c'est que c'est de bonne facture. Ça donne une belle impression. Ils n'ont pas oublié non plus le côté pratique, avec de nombreux rangements, une vaste boîte à gants, des contreportes qui sont aussi vastes et pratiques. Et puis, sous la console, ici, on a un espace pour recharger un téléphone par induction. Non seulement ce e-cockpit révolutionne une catégorie qui est plutôt traditionnelle, c'est la seule familiale à proposer cette architecture dans le segment, et en même temps, ça apporte une très bonne ergonomie. Toutes les commandes sont à portée de main. On a ici d'autres boutons. Il n'y a aucun souci au niveau de l'accessibilité des commandes. La silhouette brique de chasse, c'est beau, mais on pouvait craindre une piétrabilité à l'arrière. Et en fait, il n'en est rien. On a suffisamment de place au niveau du toit. On a un espace correct au niveau des jambes. La place centrale n'est pas pénalisée par un tunnel. Il est peu imposant. Et puis, c'est suffisamment moelleux. Donc finalement, cette Peugeot 508 SW, elle sait faire rêver esthétique et pratique. Ce qu'on attend d'un break, c'est quand même un volume de chargement. Alors avec cette Peugeot 508 SW, on n'est pas déçu. Elle est quand même 5 cm plus courte que le modèle actuel. On perd un tout petit peu en volume de coffre, on perd 20 litres, mais ça reste accessible. L'ouverture est carrée, ça monte haut sur le pavillon, donc on a une belle accessibilité. On a un cache-bagage en rouleur qu'on attend sur un break. Donc de ce côté-là, on n'est pas déçu. Cette Peugeot 508 SW nous a laissé une très bonne impression. Elle renouvelle les codes de la marque, elle renouvelle aussi les codes du segment. Elle a de bons atouts pour séduire à la fois les clients du modèle actuel et également aller conquérir une cible plus haut de gamme avec plus de standing. Nous, on ne résiste pas, on remonte à bord. Et puis nous, on vous donne rendez-vous très bientôt sur l'Argus.fr. D'ici là, suivez-nous sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux. À bientôt.